Alors, chef, je voulais savoir, est-ce que vous avez l'impression que quand on découvre la table dressée avant même que la nourriture arrive, c'est important ? Je crois que l'assiette, ce qu'on appelle l'assiette de garde, l'assiette de présentation, c'est quelque chose qui émerveille déjà quand on arrive et qui permet de mettre le convive dans une bonne ambiance. On va goûter maintenant ce qui va arriver. Je crois que vous nous avez réservé des surprises de fou. Donc, on essaye de s'adapter au lieu qui est magnifique. C'est gentil, c'est vous qui êtes magnifique avec toutes vos étoiles et toutes les récompenses que vous avez eues. Je suis sûre que ça va être exceptionnel. Merci, on croise les doigts et on en reparle après. Absolument. Mais c'est pas une table, c'est un monument. Mais on n'est pas à Paris, on est à Venise. Mais c'est pas une femme, c'est une déesse. Oh c'est super. Wow. Voilà la table. C'est magnifique. Wow. Pas mal. Regardez l'objectif qui s'en sort. Wow. Voilà. Il faut tout quitter la tête. Ça, c'est très bien, pas trop. C'est devenu la spécialité de la maison. C'est le plat qui a fait aujourd'hui le tour du monde et peut-être par invitation. Je suis désolé, c'est d'un œuf pourri. Pourri mais gâté. Donc gâté de truffes. Alors dès que vous l'avez, je vais vous demander de prendre le couteau et de le percer en son centre et de l'ouvrir légèrement. Et il doit couler noir. Noir. Et maintenant, on va vous servir un sabayon. Et sur ce sabayon, nous allons ramener quelques trucs d'Alba. Je passe par là. Oh là 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 là, de quelle feuille ! Voilà. Vive Gilles Goujon. Nous avons une chance folle d'abord d'avoir passé une soirée magnifique, mais en plus avec un immense chef dans tous les sens du terme. Immense par son talent, par sa générosité, par sa simplicité. Ce soir, la créativité, l'imagination, la force de l'imaginaire, la force du rêve était présente. Alors je dis, wow la table. Voilà, la cuisine, c'est comme la pub, ça crée du rêve. Et là, le grève, il est dans l'assiette. Oh là là. Et dans le verre. Comment tu vas lutter après ça?